ça doit sans être le plus faible de mes decks. Enfin, c'est... En vrai, avec Incision, tu vois, j'aurais peut-être commencé avec Inripsa, mais il n'y a pas Incision, quoi. Ok. Black Wap, c'est quand même très bien contre... contre Yop. Je réfléchis, est-ce que je me Mulligan Rupus? On va rester comme ça. Salut Gecko. Salut. Tu vas bien? Ça va, j'ai une curve assez sympathique en tout cas. Ah, si on y a le chuchoteur. eh oui, bien évidemment. Waouh, Marcassine des Truffons. Je m'y attendais pas. C'est ce que je peux dire. Bon, je vais poser le Schaeffer ici. Il récupère un PA. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Un fléau. Ça m'aurait vraiment pas dérangé qu'il aille dans l'autre sens, hein. Parce que là, ça fait encore une chance sur deux. Si je pose une créa. Franchement, la truche. Et je le mets ici parce qu'en fait ça peut protéger possiblement des deux truches. Bon, mais évidemment, les deux ont décidé d'aller dans le mauvais sens. Là là. Ok, on joue une guichet. Ouais, tranquille, j'attends le deuxième tour. Ah oui, toi tu commences au second tour, c'est ça? Je vais réouvrir en vrai le site, comme ça je vais pouvoir avoir une vue sur mon match et sur les autres matchs. Bien. Alors, il y a lui qui est là, il y a ce truchon qui est là. Je préfère tuer qui? Lui? Ah non, mais je le tue pas si je pose une créa. Parce qu'il va juste switch. Et il va aller là. Parce que je suis obligé, je dois juste... Peut-être... Non, je pense que je vais juste Kamasutar ici, hein, en vrai. Là, j'ai pas trop de possibilités. Les trucs. Ouais, les truches, hein. Comme ça, lui, lui, il va aller là. Franchement, là, c'est dégueulasse. C'est insupportable. Je pose la Tamahawk. Hein, je me dis, il y a deux truches. Si les deux font face à la Tamahawk, c'est parfait. Sinon, bah, tu vois, genre, tuerais une des deux. Hein, les deux s'éloignent. Franchement, pourquoi ça m'arrive, moi? Ah ouais, toi, tu... Ah ouais, toi tu auras. Tu pourras avoir peut-être Christo. Bon bah j'espère qu'il va quand même pas perdre tour 1 Christo, ce sera un peu triste. Bon, je vais pouvoir peut-être. Je vais pouvoir Black Wab là. Hein, réfléchissons à cela. Black Wabit en plus je perds mes deux fléaux. Voilà. Ça c'est fait. Bon, Kamasutar, je l'ai perdu, mais ça va, j'ai quand même Maskman en main. Ça a quand même géré une truche, je crois. Essayez. Le body 4-3, il peut être assez chiant pour aller chercher. Gligli. Oh, vous êtes Gligli, charge de deux cases. C'est exotique. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas mal compté, je pense pas dans ce cas. Je veux pouvoir juste Maskman ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vérifie. N'empêche, j'aurais pu peut-être faire 3 PA, une créa, mais. On sait jamais avec autorité en main. Peut-être que. Pouvoir refaire rapidement une petite créa plus autorité. Ouais, il lui a donné initiative. Vous savez ce que je veux faire?
Tom la classe, heure de gloire. Les deux là, ils vont commencer à taper le Dofus et lui il va juste tuer la truche et aller plus loin. Je pense que c'est le play, hein. Et en plus, je meurs pas sur un Black Wabbit si je fais ceci. Voilà, je récupère cet œuf. Ah oh oui, mais de toute façon, je récupère l'œuf. C'était en faux, tant pis, mais lui il va taper là. Lui il menace ici. Il va peut-être plus juste compulsion en vrai, mais. Il joue Maskman Pleutre, il discarde un Truchidor. Il pose un petit truchon. Là, je peux penser à une habile autorité, quoi. Je fais Abigail ici. 3 PA. Autorité. Est-ce que je discarde? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je discarde, mais je setup létal sur setup là. Il y a lui qui continue à avancer. Il y a le refresh qui est totalement en ma faveur. Bon, j'ai fait possiblement quelques misplays, mais bon, par exemple, un cœur de gloire à la place de compulsion. Mais franchement, ça se passe plutôt bien. À tout moment, je peux faire charger une créature avec double charge. Enfin bon, il y a déjà un petit Mogron qui va défendre là. Ah, il a ça. Ah, le triste pas qui s'en va, franchement. Allez, toi tu vas ici. On est d'accord, il charge d'abord. Donc je vais faire lui là. J'ai posé. J'ai posé. Attends, réfléchis. Ouais, j'ai la place en main pour poser lui sur pioche. Hop là. Je vais mettre. Abby sur PA. PA up. Et je vais poser. Une rupus où ça. Une rupus là. Comme cela. Hop là, je continue à setup létal sur setup. Je pose un truc. J'ai des doubles charges qui peuvent partir. Lui, il les branle. Encore, encore. L'ébranler le moins utile. Oh, je suis triste pour lui. Franchement, je vais pas utiliser les fléaux là-dessus. Mais plutôt m'occuper à faire charger ça. Hop là. Il y a elle qui part chercher ce Dofus, c'était un faux. Bah, j'ai l'étal au prochain tour. Voilà. C'est juste là, je pouvais setup l'étal sur cet œuf ce tour-ci, donc je préférais le faire. Et garder l'étal sur cet œuf-là au prochain tour. Donc, bon. Bah, ça va être un petit GG, hein. Hop là. Et c'est ainsi que je gagne donc avec mon Yop. Alors. Est-ce que j'ai qu'une liste? Quand on regarde cette main quand même, je trouve ça très drôle. Ouais, j'ai un compo chez Chotorasprogique. Il manque plus que la fiole. Non, mais bon. Je pense que je mulligan ces deux cartes. Regardez le Péragourdin, c'est une très bonne carte. Aroma Bomb, c'est très bien, ça permet de cycle.
Attends, je commence en premier avec mon deck. Bah, c'est vrai que j'ai quand même une petite carte à 2 mana. Hein. Chuchoteur MVP. Hein. Mais bon. Enfin, ah oui, ça malheureusement, Toxin 3, c'est vrai qu'il n'y a pas les cochons. My bad. C'est moins utile. Bon, tant pis. J'ai fait une petite erreur dans mon dans mon deck build. Bon, là son chef archer qui se fait gérer par mon Aroma Boom. C'est un peu triste, hein, franchement, pour ce chef. Je trouve pas comment on reporte un match, tant pis. Il a posé une coquine. Moi je vais juste perdre un gourdin. Je vais même perdre un gourdin face à la coquine. Vous verrez, il va gagner la bubule, là. Hop là. Oh oui, mais c'est sûr. C'est sur qui? Que la fille à l'infecté va partir? Oh mais c'est sur qui? Un gourdin 4 attaques, franchement, c'est balèze. Comme ça, au moins, ça permet de gérer la coqueline, quoi. Avec mon père un gourdin. Bon, lui, je m'en fous. Je me demande si c'est un bon joueur ou si j'ai un gars random. 4 attaques ou 3 d'attaque? Je me pose la question. Oh, attends, j'ai une idée déjà. On peut faire. Hop là sur lui. Bon, et vu que je l'ai fait sur lui, bon bah. Je vais swap leur attaque. J'ai une 4-4 bubule, mort adverse, ça y regagne bubule. Franchement. À partir de là. Donc tant pis, je trouve pas comment il porte le score. Tant pis, tant pis. Alors, je vais poser la question à Chao plus tard si je peux modifier un peu mon deck. Parce que bon, la toxine, j'y avais pas pensé. Je dis c'est une excellente carte défensivement, je l'ai mis par automatisme quoi. Mais. Hop là, il va regagner sa bubule. C'est Acromark gros. Le léger problème. Je vais faire Péringourdin ici. Bébé Foreur là. Le bébé Foreur va pouvoir tuer le Schaeffer Faucheur. Donner à Bubule à son Péringourdin. Waouh! J'avais tout prévu! Péringourdin, c'est une peu commune. Et j'avais. J'avais tout prévu, ok? Donc. Dans quel monde je vis, franchement? Ah zut, y a pas d'autre bouffe tous des printemps. Choqué, déçu. Allez, je pose ça devant le Tados. Bon, malheureusement, je pouvais pas cibler le Schaeffer translucide. Hein.
Pourquoi il est détruit juste pour charger deux cases? Ah non, il a porté 1-3. Ok. Bon, par contre, ce truc, il est très gênant. Début du tour, gagne +1 d'armure. J'aimerais bien acide là-dessus, mais je réfléchis, je peux faire quoi d'autre? Enfin, acide sur pioche. Et j'espère top deck un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si j'ai pas mal compté. Bon, par contre, lui, il va pouvoir tuer la toxine. Lui, il va sûrement aller chercher cet œuf. Par contre, il snipe bien, hein. Et bon, si ça se trouve, ces Péragourdins, ils sont sur des bonnes lignes, hein. Ouais, ils double ronce agressif pour pouvoir tuer ce Péragourdin là. Bon, mon Black Wab, il va pouvoir tuer lui. Mais sûrement. En vrai, attends, je réfléchis à un truc. Ah, il manque des PA pour passer à 2 l'attaque, le remonter dans la main. Je vais faire Black Wab comme ça. Paf. Et je vais poser elle ici. Elle swap son attaque. Ça a été un faux. Il y a la petite allergique qui continue à avancer. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Il a déjà fait deux ronces agressives. Il va pas forcément avoir de quoi tuer le Black Wab avec en considérant les deux points d'attaque. Là, ça bouffe tout, donc on inflige 2. Bouffe tout sauvage. J'ai une autre As Project Mills. Il faudrait une autre petite assise. Ah oui, mais oh! Il a retiré mes Aroma Baume dans mon pack. C'est chiant ça. J'ai volé sa pioche. Je peux avoir des bons trucs comme une fiole ou oh, une acide, ça gère les deux là. Une acide en fait ça fait que elle le tue mais elle ne survit pas. Malheureusement. Après, je pense que c'est le play quand même. Hein. Hop là. Les deux sont morts. Bon, lui, il a 3 HP. Mais au moins, j'ai récupéré le fléau, quoi. Ah, sans mes aromas baume, c'est sûr que mon deck il va être un peu plus dur à mettre en place. Hein. Parce que c'est pas pour rien que je joue 3 aromas et 3 bébés foreurs quoi. J'ai besoin de cycle. Je sais pas si vous l'avez compris, mais. Ah, il manque un mana pour faire Asprogic et Zaldior. Mais par contre, je peux setup cela. Plus plus, vraiment. C'est une cross-mic. Pour 2, c'est une 2-3-3. Bouffe tout. Je sais pas, il y a des meilleurs cross-mic, non? Je vais utiliser le lui pour refresh les prismes. Enfin, ah non, pour en tout cas mettre. Refresh mon côté des prismes, on va dire. Hop là, je vais poser ça. En vrai, je pense. Je pense faire ceci. Hop là. Lui, je vais le laisser taper là, tranquillement. Je peux récupérer son.
Exicar Nus avec mon Zeldior. Mask Mantle l'autre. Non, j'ai déjà énormément de cartes en main. Géral Géralditale sur Andofus avec les fléaux. C'est bien, il joue des trucs avec 6 d'attaque, des choses comme ça. Bah, c'est cool pour mes Aspogiques. Hein. Au moment, on m'a dit qu'il ressemblait pas à un bouffe-tout squelette. Mais il a des crânes de bouffe-tout sur ses cornes. Comment ça, il ressemble pas à un bouffe-tout squelette? Plus, il a une couleur comme ça, toute blanche, comme si c'était un fantôme. Ça ressemble à un enfin, un truc squelette. Oh, il met des petites graines pour augmenter son armure. Alors, je peux peut-être remonter acide sans dose. On va peut-être le faire par exemple sur Allergix. C'est une possibilité. Et cette possibilité me plaît vraiment. Je vais faire sur lui parce que bon, c'est. Même si je pense pas qu'il ait des copies, bah c'est lui où c'est le plus probable. Et il tue pas mon. Mais il défausse une ronce agressive, c'est bien ça. Ça, il va pas forcément pouvoir tuer lui. Lui, il avance lentement et de toute façon, acide sans dose, bah ça le gère. Il peut pas poser de graines face à Asprogic parce qu'il va juste gagner un point d'armure quoi. Il va pas pouvoir infliger un dégât, donc Ah, c'est assez chiant pour lui, hein, quand même, ce spot. Et ça ralentit la mort du turquoise à pollinisation. Ah, ça, c'est chiant, pollinisation, quand même. Parce que ça gère ça, ça gère ça. Ouais, ah non, c'est bon, il a ciblé quand même, ouf tout. Ah, la pollinisation qui, j'avoue, fait mal. J'avoue quoi, ça fait mal. Est-ce que je fais juste Barcaor, là. J'ai réfléchi ce que j'ai d'autre. Une, deux, trois, quatre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'accepte l'overdraw, je pense. Hop là, là je défends le Carnassus. Et pour lui, c'est quand un des bouffe-tout meurt. Là j'ai la fiole de psychose, j'ai la transformatose. Je peux récupérer deux Dofus en fait comme ça. Oh, il a 3 d'attaque. J'ai une fiole fléau là. Hein. Bon, lui il va tanker un coup du Maskman mais. On s'en fout un peu. Ah non. Il a plus droit d'attaque. Il y a l'Asprogic Mills qui s'en va. Pense que je vais transformatose ici. Attends, je réfléchis. Non, hein. Je pense que dans tous les mondes, je fais transformatose là. Par contre, je vais faire le période fléau pour un peu me vider la main. Et en plus, ça soigne la dame écho. Donc, ils sont sur la même ligne. S'il arrive à clean là, il doit faire gaffe à pas poser de trucs à 3 d'attaque. Enfin, ou alors à 4 d'attaque, parce que ça reviendra à 3. À le mettre Joris.
qui est quand même assez chiant. Ah là là. Bon, allez, tout s'en va. Il y a ça qui avance ici. Par contre, en vrai, Sergent Poiska est là. Peut-être Aroma Boom, enfin Acide Sandose. Là, comme ça. Une 6-6. Là, ça défend ici. On sait jamais. Là, ça va être un peu chaud à défendre. Et bon, après, j'ai toujours du marque à or, quoi. Mais dans l'autre sens, j'ai pas trop envie de marque à or, j'avoue. Allez, le savoir, Sadida, face à un fou, franchement. Ok. Il ne faut savoir pas Sadida, le sergent Poiskai, qui va donc pouvoir tuer le Joris au prochain tour. Est-ce que je fais juste un play défensif comme ça? En vrai, c'est envisageable. Juste hop là, voilà. Je défends là. Ça, c'était un vrai. Ah oui, ils regagnent leur attaque, mais bon. Dans ce cas, ça veut dire qu'il a gâché un fléau déjà. Il y a lui qui est là, ça peut menacer. Il y a ça qui défend ici. S'il arrive à gérer lui, bah ça fait un truc qui gère qui est parti et pour info. Donc est-ce que je fais l'étal au fléau là? Ça me paraît pas choquant. Faire les fléaux. Et hop là, je gagne. Et c'est le 2-0.